Bonjour, retenez bien cette date, dimanche 23 juillet, c'est dans 2 jours, et bien je vous invite à un webinaire Zerudy pour vous présenter la plateforme, le projet, répondre à toutes vos questions de la façon la plus précise possible, sachant qu'effectivement nous avons des tas de questions qui nous sont posées, souvent un peu les mêmes d'ailleurs, et on pense toujours nous que c'est clair ce qu'on propose et finalement on se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. Donc l'idée c'est peut-être donc d'éluder des questions que vous vous posez et d'y répondre de la façon la plus précise possible. Et donc je vous présente tout ça dimanche soir à partir de 19h. Vous avez juste un lien sur cette page là, quelque part au-dessous, qu'importe. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, hein. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien. D'ailleurs vous pouvez partager ce lien à qui vous voulez parce qu'il n'y a pas de restriction. C'est complètement libre. Et l'idée donc voilà, c'est vraiment d'interagir avec vous, de répondre à toutes vos questions. Ce lundi dernier, 17 juillet, donc on a accueilli notamment des érudiens, des semi-débutants. Alors semi-débutants, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce sont des gens qui connaissent souvent déjà la plateforme, mais qui ne l'exploitent pas sans doute à fond. C'est-à-dire qu'effectivement, sur Zerudy, on peut faire tellement de choses, beaucoup de choses, et notamment on peut automatiser des tas de trucs. Donc d'automatiser un processus, notamment à partir de l'inscription d'une personne, comment est-ce qu'on va l'accompagner de façon automatique pour lui proposer des contenus, pour répondre à ses questions, pour éventuellement vendre des formations, ben voilà, ce genre de choses. Donc lundi, on a organisé ce présentiel et on s'est rendu compte que c'était nécessaire. C'est vraiment nécessaire de vous accompagner de façon présentielle. Donc c'est des choses qu'on va reprogrammer. On va vraiment accentuer ce côté-là, présentiel, en tout cas de contact de plus en plus avec vous. Parce que ce qui nous paraît évident, ben, ne l'est pas forcément toujours pour tout le monde. Et lundi, j'ai vraiment pu mesurer ces petites difficultés qui sont parfois anodines, mais qui peuvent vous bloquer. Voilà, des trucs tout bêtes. Hein. Comment est-ce qu'on programme des codes promo? Comment est-ce qu'on change le look du site? Comment est-ce qu'on mesure l'intérêt des personnes qui visitent notre site Zerudy? Voilà. Donc tout ça, c'est fondamental. Il faut savoir le faire. Il y a un tutoriel complet sur Zerudy. Maintenant, voilà, il faut, je pense, aller un peu plus loin dans la démarche. Donc, suite à cette journée-là, on a sollicité des témoignages. Donc, c'est nous, on a demandé, pour être totalement transparent avec vous, on a demandé aux participants, à des participants, s'ils voulaient apporter leur témoignage de façon évidemment complètement libre. C'est-à-dire qu'on a sollicité et en fait, ils ont décidé de témoigner pour nous. On n'a donné aucune indication. Donc, les témoignages que vous allez entendre maintenant sont totalement libres et engagent évidemment uniquement les personnes qui témoignent. Voilà. Donc je vous laisse sur cette petite note de témoignage et je vous retrouve dimanche à partir de 19h sur le lien quelque part ici pour un webinaire de présentation de la plateforme, du projet, de toute l'équipe. Bref, tout ce que vous avez besoin de savoir. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Bon ben une superbe journée, super intéressante. Ce qui est bien, c'est en fait de se voir tous ensemble parce qu'on a tous des, on est à tous à des vitesses différentes. Et en fait, les questions des uns servent aux autres. Et donc là, on a beaucoup avancé. Et surtout pour la technique, je pense que la technique, une fois maîtrisée, après c'est un outil qui roule super bien et qu'on peut utiliser très facilement et quotidiennement. Je t'écoute. Donc super journée, moi ça m'a permis de me remettre dans le bain parce que je venais de partir en vacances et j'étais plus un petit peu trop là-dedans. Donc la journée Zerudy, ça m'a permis de revoir les outils, de pouvoir reprendre en main pas mal de choses que j'avais oubliées et de repartir parce que j'ai une formation là que j'aimerais bien mettre en ligne. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et bien encore une belle journée Zerudy où on a encore appris plein de choses sur ce formidable outil pour développer notre business et nos formations en ligne. Et donc plus ça va et plus c'est agréable de travailler avec cet outil et plein de perspectives pour l'avenir.